Printemps d'Erasmus, une série proposée par la Maison de l'Europe, Le Mans Sarthe et Centre d'information Europe Direct. Le témoignage de jeunes Sartois partis en Europe grâce au programme Erasmus. Bien sûr, je m'appelle Jennifer, j'ai 24 ans et j'ai fait un service volontaire européen en Belgique il y a maintenant 5 ans. J'étais en bac secrétariat, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je réfléchissais aux différentes options qu'il y avait après. Et je suis tombée par hasard justement sur le SVE et je me suis dit pourquoi pas, ce serait une bonne expérience. C'était pas un pays que je visais particulièrement au départ. C'est vrai qu'au départ, je me disais pourquoi pas un pays comme la Slovénie ou quelque chose comme ça qu'on ne pense pas forcément au premier abord et qui serait vraiment une culture différente. Et c'est vraiment en voyant les différents projets en fait que ça s'est dessiné et le projet que j'ai trouvé en Belgique à ce moment-là me plaisait vraiment beaucoup. Oui, c'était d'accompagner des personnes handicapées dans un foyer. Il y en a deux surtout qui ressortent en fait. On a fait le carnaval avec eux, donc on a préparé quelques jours avant leur costume, tout ça. Et puis après, du coup, ça s'est dessiné en une journée à faire, à danser, à mettre de la musique, à faire des crêpes, enfin voilà, avec eux. Et c'était vraiment un super moment. Et on a aussi fait une journée à la mer avec eux. Donc c'est vraiment une journée qui ressort aussi beaucoup. On a parlé avec eux un petit peu. Voilà, c'était chouette. Oui, parce que du coup, bah, moi j'ai un bac secrétariat et quand je suis revenue, du coup, j'ai postulé un petit peu partout et j'ai été embauchée au CCAS du Mans en tant qu'auxiliaire de vie. Donc justement, grâce à mon accompagnement, parce que j'ai pas de diplôme dans le service à la personne, mais grâce justement à cette expérience, ils ont bien voulu me laisser ma chance et j'y suis restée 3 ans quand même. Donc ouais, ça m'a vraiment aidée quand même. Ça s'est passé un peu nostalgique, un peu dur de retrouver mes repères notamment. Enfin, c'est pas grand-chose, mais quand je suis revenue, je me souviens, c'était à l'époque où il y avait les travaux du tramway. Donc quand je suis revenue pour aller par chez moi, tous les bus avaient changé. Enfin, pendant mon SVE, j'étais revenue 2 fois ici. Et du coup, quand je suis revenue, c'était compliqué de retrouver mes repères et ouais. Un peu nostalgique, je me demandais surtout ce que j'allais faire après. J'étais un peu perdue, mais ça s'est fait quand même. Vous souhaitez retrouver encore plus de témoignages Erasmus? Alors rendez-vous sur notre site web www.europe-en-sarthe.eu.